veux, mes bébés. Alors, je me suis pas snappée de la journée. J'avais des choses à faire. Je devais aller. Bon, du coup, c'est bon. J'ai quand même rendez-vous là maintenant dans 1 heure chez le coiffeur. Donc, je vais me laver. Je me suis même pas lavée depuis ce matin. Hein. Il est presque 17 h. J'ai même pas à me laver les dents. En fait, j'ai passé ma journée au téléphone avec quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et franchement, ça m'a fait du bien. Toutes les deux, on en est venu, c'est une proche à lui, hein, à la même conclusion que c'était mieux pour nous d'arrêter. Ça devenait trop toxique et tout. Voilà, là, je vais pas vous mentir, je vais pas bien. Je suis mal. C'est le premier jour de ma rupture. Et je pense que ça va être encore dur, mais qu'il va falloir que je sois forte. Je vais avoir besoin de mes proches, de vous. Et c'est très dur pour moi de plus être avec une personne que t'aimes. Mais des fois, l'amour, ça fait pas tout. Et des fois, t'es obligé de prendre des décisions qui te font du mal. Voilà. Donc là, je vais à la douche. Je rattrape mes prières et je vais chez le coiffeur. Voilà, j'ai besoin de me changer les idées. Tout à l'heure, tout le monde m'appelle et tout, mais en fait, j'étais au téléphone toute l'après-midi. Je viens de raccrocher à peine maintenant. J'ai passé 4 heures au téléphone. 4 heures. Et franchement, cette personne, je l'aime trop parce que ben, c'est quelqu'un de juste. Je vous dis la vérité, je regrette quand même mes stories d'hier parce que ben, je pense que j'ai réagi sous l'impulsivité. J'avais mes raisons, mais j'ai surréagi. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Je peux pas retourner en arrière. Et voilà, maintenant il faut que j'apprenne à vivre sans lui. Ça va être très très dur pour moi parce que t'oublies pas quelqu'un comme ça du jour au lendemain, pas quelqu'un que t'as aimé aussi fort. Après, je pense que tout le monde a connu des relations toxiques, hein, et on a notre part de responsabilité tous les deux. Voilà, je vais pas me morfondre. Déjà, il faut que je me nourrisse. Parce que ça fait. Hier, j'ai pas mangé de la journée, j'ai mangé un bol de Kellogg's. Et là, il est 17 h et j'ai toujours rien mangé. Allez, je vais me laver et je vais me préparer pour aller chez le coiffeur. J'ai besoin de me sentir belle. Là, je vous dis la vérité, je me trouve trop moche. J'ai perdu confiance en moi. Et je me trouve dégueulasse. Regardez, mes cheveux sont tout pourris. J'ai du noir ici. J'ai du marron, j'ai du blond, ça va pas du tout. Faut que mon coiffeur il me sauve la vie. Et il faut que je change. Vraiment. J'ai plus confiance en moi. Bon, allez mes bébés, je me prépare. Je vais aller chez le coiffeur. Et vous savez quoi? Là où je remarque que j'ai changé, et comme je vous ai dit, malgré tout, cet homme, il a été une bénédiction pour moi parce qu'il a réussi à faire ce que aucun homme avant lui n'a réussi à faire, c'est-à-dire à me faire changer. Il m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et là, même si aujourd'hui on n'est plus ensemble, eh ben, j'ai pas envie de redevenir la Maëva d'avant. La Maëva d'avant, elle aurait fait quoi, mes bébés? Je vais vous parler français. Rupture. Directement le lendemain, je serai en soirée avec mes copines, je me serais laissée chiner, directement j'aurais fait ça. Et ben là, c'est la première fois de ma vie où je vis une rupture et en fait, j'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de faire de nouvelles rencontres, de parler
de parler avec un homme. J'ai juste envie d'être seule et de me reconstruire, d'accepter ma rupture. Voilà. Et là, je vous dis, c'est pour ça que j'ai totalement changé. Et c'est pour ça que, pour moi, je vous l'ai dit hier, même si on a eu une relation très, 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 très toxique, je pense que dans tous les couples, ça va pareil, que tout le monde a déjà vécu des relations toxiques. Et bien là, je vous jure, ça aurait été à Maëva d'avant, je serais sortie, je me serais mise en bombe avec mes copines, j'aurais fait une bête de soirée et tout. En fait, j'aurais tout fait pour lui faire du mal. Et là, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Voilà. Là, regardez, je vais aller chez le coiffeur parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir belle parce que là, je vous dis la vérité, je me sens horrible. J'ai perdu confiance en moi. Et après, je vais aller voir ma copine. Je vais aller chez ma copine. Et je vais passer du temps avec ma copine. Voilà. Et je vous jure, hein, sur le bon Dieu, la Maëva d'avant, elle serait sortie. Je me serais démontée. J'aurais fait la fête. J'aurais tout fait pour lui faire du mal. Et ben là, je prends vie. Je prends vie. Il faut que je digère la rupture. Et quand ça ira mieux, ben, je ferai ma vie. Je sais pas, j'ai pris en maturité. J'ai l'impression de ne plus être moi-même. Et vous voyez, il m'a apporté de bonnes choses. Parce qu'il a ce qu'il a réussi à faire, ce qu'aucun autre homme a réussi à faire, à me changer. Et grâce à lui, je suis devenue une personne meilleure. Je suis plus dans la vengeance. Je veux plus. Faire souffrir les hommes. Et tant que je ne suis pas reconstruite, tant que ça ne va pas mieux dans ma tête, je ne parlerai avec aucun homme. Voilà. Allez, je suis prête, je vais faire une queue de cheval. Je suis pas au top de ma forme. Mais bon, ça va aller. On va écouter de la musique dans la voiture et tout, ça va aller. Bon, d'aller chez le coiffeur, là, d'enlever mes mèches, bizarre, ça va me faire du bien. J'ai besoin de retrouver confiance en moi. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Là, c'est pas grave. Je vais les attacher. Et le coiffeur, il va s'occuper de moi. En fait, ce que je veux, c'est retrouver ma couleur là d'ici. Je sais pas ce qu'il va faire mes cheveux que j'ai colorés en français. Il va les décolorer, fait ce qu'il veut. Mais la même couleur de partout. Voilà, plein de nœuds et tout. Allez, ça va aller. Une rupture, c'est facile pour personne. Mais il faut pas réagir sous le coup de la colère et sous le coup de l'impulsivité. Moi, c'est mon problème. Je suis quelqu'un de très impulsif. J'arrive pas à faire semblant. Je suis pas quelqu'un de patiente. Allez, on va faire une queue de cheval. Mana, je l'aime trop. Elle s'inquiète pour moi. Elle m'a vu pleurer dans ma chambre, elle m'a ramené de l'eau, de l'oasis. I love you. I love you too. Merci pour tout. Don't you always cry? You, it's my mother of Dubai. Yeah. Yes, not quiet. Not it's okay. Alhamdoulilah. Okay. Mana, je l'aime trop, elle est trop vive. Vous savez, regardez, elle est là, mais pourquoi elle est ici? Parce qu'en fait, il y a le mec des travaux, de la maintenance, et elle le surveille. Elle est trop vive, regardez, ils sont en train de faire les travaux. Hi. Ils sont en train de faire les travaux. Et Romana, elle est surveillée. Eh, je l'aime trop, elle est trop vive. Romana, you are the best. You look, travail. Yeah.
posé dans le calme, pourquoi tu t'as... Oh non, non, t'as pas fait les bons choix, non. Je pense que vous avez raison, que vous me l'avez dit. J'ai besoin de retrouver confiance en moi, de prendre soin de moi. Donc c'est ce que je vais faire un jour. Je voulais trop voir la psy aujourd'hui. Donc aujourd'hui elle ne travaille pas, donc je la vois demain pour une autre séance de EMDR. Et voilà, ça va me faire du bien de me sentir belle. Là, je vous jure, j'ai complètement livré mes bêtes. J'ai complètement perdu confiance en moi. Je sais pas, je me trouve trop moche.
Et pour que moi, je perde confiance en moi, il en faut. Hi, Mehmet. How are you? Good. Le meilleur, il est là. Good, alhamdoulilah. La catastrophe qui va rattraper. Donc, Mehmet. Non, only color here. Extension, here. Et là. It's me, I'm crazy. Je sais pas ce qu'il va me faire, mais la vérité, je lui fais totalement confiance. Je pense. Une patine de Mehmet? There is more, yeah, like patine. Bah, une patine. Il m'a dit don't worry, je vais regarder la coupe que j'ai. Je me regarde tout à l'heure, je me dis mais c'est quoi ça? J'ai demandé des boucles, mes bébés. Regardez, je me retrouve avec moi. Regardez, il m'a bien rattrapé ma couleur hein, de devant. Là, ici, il n'a pas trop poussé, il m'a dit ça à cette personne avec les lavages. Ça y est, j'ai fini le coiffeur. Franchement, c'est trop beau, il m'a bien rattrapé ma couleur. Et il m'a dit que là, devant, ça allait s'éclaircir au bout de deux shampoings. Bon, là, je vais chez ma copine, j'ai rien mangé. Je lui ai dit, prépare à manger, s'il te plaît, j'ai la dalle. Ascenseur. Bon, ça y est, mes bébés, mes cheveux, c'est fait. Comme je vous ai expliqué, il y a juste les mèches de devant. Il n'a pas trop couché pour ne pas me les abîmer. Il m'a dit au bout de 2-3 shampoings, ça va partir. Mais les extensions là que j'ai mis, on les a éclaircies. Voilà, là je vous explique, j'ai trop faim, je vais tomber dans les pommes, j'ai rien mangé. Il est 20h24 à Dubaï. Là j'ai appelé ma coune, je lui ai dit, tu vois qui a mangé, s'il te plaît. Quand j'arrive, il y a mangé, il faut que je mange, je vais tomber dans les pommes. Je tremble, hier j'ai pas mangé de la journée, j'ai mangé une bol de Kellogg's tard. Aujourd'hui j'ai rien avalé. À tout moment, les grands m'ont appris l'école. Aujourd'hui, j'en ai plus. J'ai l'âge d'avoir des petits. Je m'embrouille tout pour chi. T'as merdé si t'es pris pour cible. Arrivé chez ma copine, je lui ai dit t'as à manger. Sarah, donne-moi un truc à manger. Je vais mourir. Ouais, je vais faire un malaise. Je tiens plus. De la salade. Oui, de la salade. Ce que tu veux. J'ai trop faim. Arrête de manger une fois par jour. Ah. T'as vu, peut-être que j'ai vraiment faim en fait. Non, mais tu sais qu'hier, j'ai mangé que un bol de céréales. Sur le bon Dieu. J'ai trop faim. Oh là là. Je suis en train de manger pommes de terre avec les doigts tellement que j'ai trop faim. C'est que du zéro. Un truc pas zéro. Mes bébés, j'avais tellement faim. J'ai mangé 2 assiettes de spaghetti bolo. J'avais trop faim. Là je me languis que là ça éclaircisse un peu plus. Hein. Pour que ce soit bien sorti au bas. Mais c'est mieux que ce que j'avais, non? Mes bébés, regardez, ça c'est la nouvelle box de chez Rose la Lune. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, pour l'achat d'un seul produit, vous avez toute la box frère à l'intérieur. Donc vous avez, c'est trop bien. Donc ça c'est une éponge pour se démaquiller sans utiliser de démaquillant. Vous avez 2 rouges à lèvres métalliques. Les couleurs, elles sont trop belles. Vous avez un savon à la rose. Un sérum pour les cils, un shampoing solide, vous avez aussi un masque pour les cheveux, un bracelet, le voici, et une bague, voilà, elle est ici, et une bague. Et mes bébés, l'offre pour Rose la Lune, elle est dingue parce que à l'achat d'un seul produit, vous avez la box avec 6 produits à l'intérieur. Je vous ai montré tout ce qu'il y a. Et bah, c'est vraiment des produits qui sont de qualité. C'est une marque française. Ce soir, mes bébés, j'avais pas envie de rester seule. Parce qu'en fait, quand je suis seule, je pense trop. Et je pleure et je suis pas bien. Donc, je suis venue passer la soirée chez ma copine. Voilà, ça me fait du bien. J'en peux plus de rester enfermée. Je pense que j'ai besoin de m'acheter de mon amoureuse. Aïra, tu fais quoi dans cet état? T'es marqué de changer? T'as mis la perruque et tout? Oui, j'ai acheté au magasin. C'est vrai? Comme ça. Ah ouais, t'es fraîche, hein? Bon, mes bébés, ça me fait du bien, moi, d'être avec ma copine. On parle, on se change les idées.
Voilà, ça fait du bien comme ça, je reste pas toute seule. En fait, moi, mon problème, c'est que quand ça va pas, je m'enferme trop. Ouais, je m'enferme trop. Et après, ben, j'arrive pas à aller mieux. Et en fait, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de sortir, de s'aérer l'esprit, de voir du monde, de penser à autre chose et d'arrêter de se morfondre. Et ça, c'est mon vrai problème. Et je vous le jure, même ma copine, elle a capté que j'étais comme ça. Quand elle voit que je suis chez moi et que je sors pas, c'est que ça va pas. Et aujourd'hui, vous savez quoi? J'avais pas envie de sortir, j'avais pas la tête et tout. Et ben, je me suis forcée. J'ai appelé le coiffeur voir s'il me prenait tard parce que j'avais déjà raté mon rendez-vous. Et voilà, au final, ça me fait du bien. Mes bébés qui sont de Marseille ou du sud de la France. Alors, j'ai un super bon contact à vous partager si vous voulez passer votre permis voiture ou moto à un prix vraiment pas cher. Je vais vous donner le contact d'une auto-école et surtout, je vais vous partager leur prix. Vous allez voir, ils sont grave abordables. Donc, je vous partage tout ça. D'ailleurs, moi, vous savez où est-ce que j'ai passé mon permis de conduire? D'ailleurs, je ne sais même pas comment ça se fait que je l'ai eu. Je l'ai passé en Corse. Et je l'avais passé en accéléré. Ma prof d'auto-école était trop gentille. Je l'aimais trop. Et le jour où j'ai passé mon permis, je vous jure, genre, je prends un rond-point et il y a un vélo qui me barre la route. Et moi, je fais quoi? Je freine en plein milieu du rond-point. Normalement, c'est faute éliminatoire. Et ben, je l'ai eu. J'étais trop contente. Je vous jure. Et il y a un truc que j'aimerais trop faire, c'est passer, apprendre à conduire les motos. Je trouve ça trop beau, une femme qui sait conduire les motos et tout. Genre, j'aimerais trop savoir cabrer et tout. Et je pense que je vais le passer, que je vais lui mettre. J'aimerais trop. Stress, mes bébés, ça me fait trop du bien. Oh. Regardez mon slime, comment il est trop beau. Fallait le voir dans le noir. Mais si, il y a le flash, là, mais va dans beau. Le noir, Tata. Tire. J'ai mélangé du rose et du bleu. J'aime trop. Comme ça, jamais. Bon bébé, ça y est, je suis au lit. Franchement, j'ai passé une trop bonne soirée. On a rigolé. Ça m'a fait du bien de passer du temps avec ma copine. Mais Cécile, c'est une catastrophe. Franchement, celle qui me les a fait la dernière fois m'a fait n'importe quoi. Faut vraiment que je trouve quelqu'un là parce que ça va plus du tout. Donc, moi, je pense que chacun vit une rupture. Différemment. Moi par exemple, quand j'ai le déclic, et dans une rupture, genre moi au début je suis triste et après je vais de mieux en mieux. J'ai pas de colère, de déni, de tristesse, marchandage et acceptation. Non, moi je suis dans la colère, après je suis dans la tristesse. Après, je suis dans l'acceptation et après, tout va bien. Non, chérie, alors vraiment, pour ça, ne prends pas du tout exemple sur moi. Je t'en supplie, ne rentre pas dans ça. C'est pas bon. Pour ça, je suis pas du tout un bon exemple.
Quand je vous ai raconté tout ça hier, c'était juste parce que ben, j'étais mal. C'était pour me livrer à vous, mais c'est surtout pas que vous preniez exemple sur ça. S'il te plaît, ma chérie, écoute-moi, ne fais pas ça. Mais bébé, trop bizarre. Depuis tout à l'heure, on m'appelle sur mon deuxième téléphone, sur mon numéro français. Je pense que je vais le changer parce que ce numéro, il est sorti sur Twitter partout. Et du coup, ben, j'ai dû mettre mon téléphone en mode avion tellement qu'on harcèle. C'est des groupes. Et là, Magali, c'est pas, elle vient de me biper. Elle m'a dit que genre, on l'appelait avec mon numéro français. Et c'est la voix d'un mec. Attendez, je vous montre. Allô ? Ouais, Magali. Super, Maïva. Genre, il a la voix de Maïva. Okay. Tellement que ça m'appelle, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Mais je comprends pas comment ils peuvent appeler des gens avec mon numéro de téléphone. Et en fait, je bloque le groupe. Je suis en train de les appeler. Regardez. Je fais... Je bloque. Bloqué.